il sait plus. Eh bien, salut à vous les gens, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Professional Fishing, donc en compagnie de Steph. Comment ça va, Steph? Salut les gars, salut les abonnés, salut tout le monde. Ouais, ça va très bien aujourd'hui. Allez, boum, à la pêche! Mais la friche! Ainsi que... Mais attendez, je crois que j'ai entendu PP06. Ah, j'arrive, j'ai mon GPS, ça y est, j'ai trouvé, Putain, impeccable. comment ça va, JPP06? Eh ben, ça va bien, la petite saucisse va bien. Salut à nos amis pêcheurs-pêcheuses, hein, amis du TS. On va faire une petite partie de pêche bien sympathique. Allez, Amis bon du déjeuner. soir, bonne soirée. Donc, sur cette vidéo, il y a bien entendu un DLC à gagner. Donc, un grand merci à Rentech ainsi qu'aux développeurs. Donc, ce DLC, c'est le Starter Kit Pro. Je ne l'ai peut-être pas dit correctement. Starter Kit Pro. Là, c'est mieux. Là, oui. Là. Donc, il comprend quoi? Il comprend 7 jours de premium. Donc, ça, c'est super. Une bourriche, si mes souvenirs sont bons, pardon. Donc, une canne, donc celle-ci, qui n'apparaît pas dans la boutique. Tac tac, et là il y a tellement de trucs en fait. Autre, donc il y avait une bourriche, ok. Ce bateau, donc bateau à moteur, véhicule, non, il n'y a pas. Téléphone, non, je crois qu'il y a, je sais pas si c'est ce GPS ou l'autre d'avant, je sais plus. J'ai peut-être une bêtise. Enfin, il y a pas mal de trucs, je crois. Il y a un sac à dos également, c'est bien ça, JP? Il me semble qu'il y a un sac à dos, bourriche, enfin, il y a canne. Il y a pas mal de choses. Ouais, il y a un moulinet aussi, il y Il y a a du des fil. leurres, tout, il y a un peu de tout. Voilà, il y a beaucoup d'équipements. Donc, bien sûr, le lien de ce DLC sera dans la description. T'es trop haute, t'es trop basse, ou tu me regardes bizarre, la caméra, tu me fais flipper. Me regarde Des même plus. bottes en caoutchouc. Des bottes en caoutchouc. Et voilà. Et donc, bien entendu, les 7 jours de passe vous donnent bien entendu accès aussi également à la boutique. Mode VIP, c'est-à-dire à moins 15% donc sur le marché. Donc vraiment un grand merci aux développeurs. Et ce qui vous donne accès, me semble-t-il également, c'est à tous les lacs, à n'importe quel level que vous soyez. Hein. Que je dise pas de bêtises, Francis. Donc là, nous avons un nouveau lac. Et juste une petite parenthèse, c'est qu'il y a eu beaucoup de mises à jour sur le jeu. Donc les développeurs vraiment travaillent beaucoup dessus. Et un autre lac va encore arriver. Et je voulais vous montrer une chose rapide que j'ai complètement oubliée. Hop, on va dans l'hameçon, par exemple, mes équipements. Regardez, maintenant on peut tout simplement réparer donc son matériel. Donc là, je vais pas faire oui parce qu'il me reste 2 dollars. Bah ouais, Francis, Il est pauvre ce gars, mais il est pauvre. Donc voilà, j'ai vendu des hameçons pour vous montrer. Hop, on va le réparer ici. Voilà. Donc là, maintenant on peut réparer son matériel et ça. C'est open bar. Donc, ce qu'on va faire, c'est se retrouver à la pêche. Et bien entendu, pour jouer, ce sera tout simplement le poids du poisson à deviner, donc à mettre dans les commentaires. Et poids du poisson, un poisson que je pêcherai en milieu de certainement deux vidéos. Donc, on se retrouve tout de suite, mais l'affiche. Hein. Donc, nous voilà les gens arrivés sur le bord de l'eau. Donc, on découvre la map. Donc, déjà, il n'y a pas apparemment de lac VIP. Alors, peut-être ça viendra ou peut-être tout simplement sur celle-ci, il n'y en a pas besoin. Donc, on va où? Le lac Diamant, la Grenouille, ou, je sais pas, peut-être qu'on va faire le tour. La Ah, je rivière sais est pas. solitaire. Ah, une rivière, Francis. Un petit cours d'eau là, avec une petite brise qui passe, mais la fiche. Donc, baisser les freins. Ah, ici, tu t'es fait démonter? Ouais, je me suis fait démonter 4 fois d'affilée ici. Oh putain, tu me fais penser que j'ai ma petite canne et qu'en plus, je suis en gros hameçon, je crois, avec du. Aïe, aïe, aïe. Mais je suis en gros hameçon, j'ai foutu un vif, Francis. Ça sent pas bon pour moi. Putain, c'est Moi, je joli, suis hein. au ver de terre. Ah oui, au ver de terre. Et pas au Nightcrawler, Au alors. ver de terre. Il faut que je monte ma canne, moi, parce que... Oh, il va vite faire clair, 3h56, ça va passer. Oh, moi, je me suis mis à 9h du matin. Enfin, Ah bon? 9h40. Allez, on va attendre le premier poisson caille. Hein. Ah, un fiche pour Steph. Oh, joli! Il est où ton fiche? Il est où, Steph? Mais il est à ma gauche, Et normalement. voilà, un petit blanc, bien joué, Francis. Ouais, une petite brine. Eh. Hop, fiche. Et ça y est, il me pique tous les poissons, ça attaque pas Moi, gros. j'ai mis le Nightcrawler, moi. Hein. Putain, ta canne! Oh! Et moi? Bah ouais. Il y a une canne qui est pliée, là, à côté de moi, là. Ah ouais, C'est. c'est toi, JPP. Ouais, elle est pliée. Ouais, Ouais, mais. elle est comme toi, elle est pliée. Ouais, bah là, je crois qu'il va falloir une épuisette, là. Mais elle Oula. sort automatiquement, là, ou quoi? Ouais. Ouais. Là, apparemment, j'arrive pas à sortir la bestiole, là. T'es en branle-bas de combat? Ben oui, hein, peut-être qu'elle se ramène, le poisson, là. Mais c'est joli ce coin là, non? Ouais, Hein? j'aime bien, ouais. Ouais.
Putain, il y a Bah oui. Pascal. Oh, l'autre, regarde là. C'est quoi, c'est une brème? Bah, je sais Non, pas ce c'est un que c'est, amour blanc. mais c'est Qu'est-ce que c'est? costaud là ce qui sort là. T'as qui ça? Bah ouais, mais c'est Ça doit être à... giflé. ça doit être à moi, mais j'arrive pas à la sortir. Lève la canne. Ah, ça y est, je l'ai. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé? Putain. Silver Carp. Hey, regarde-moi, Francis. Sur ta gauche, l'autre gauche. J'aime Ah, bien bah dire ça. ouais, non, mais attends, parce que Putain, j'ai elle est vu. belle. Ah ouais. Elle Ah, fait bien joué. 5 kg 810. Ouais, vu. Un poisson de chez Moulin-en-Berthiche. Moulin-en-Berthiche! Ah oui, la mini pousse aussi là. Putain, mais je remarque qu'ils ont vachement travaillé à ce niveau-là. Regarde les cannes, comment que ça fait. Ouais, parce que c'est mieux, c'est... C'est plus Ah ben, puis naturel là, le en poisson, fait. il se casse, moi, 17 mètres, 20 mètres. Allez, on y va, en avant, Emile. Allez, oh là, j'ai une touche à Francis. Ah. Attends. MB. Attention, je suis en plein. Viens MB. ici, saloperie! Oh putain, ça n'a pas l'air bien grassouillé ce que j'ai chopé, hein, mais l'affiche. Hein. Attends, je ramène la Oh, bestiole. il y a une belle bestiole là qui monte, je sais pas qui c'est, mais. Putain, Oh, oh la canne! Oh, cette tanche! pas de la Punaise! tange de touriste, hein, moi je te le dis. Ah Hein. non, c'est pas. Non, Qui là. c'est qui a baisé ça? C'est pas moi, Francis. C'est le jeu. Allez Putain. là, viens par là, saleté de poiscaille! Bah, mini-pouce, c'est quoi ce bordel? Ah Ouais, oui, c'est une regarde ça! tanche. Non, c'est pas une tanche. Si, c'est une tanche. Je sais pas, elle fait du free fight, hein, Francis. Ah bah oui, bah attends, elle me tire depuis tout à l'heure. Une brème. Non, une tanche. C'est une tanche. Elle a pas l'air mal. Oui, t'es dans ma bourriche. Ne bouge donc plus, Francis. Hein. Ouais, Alors, où c'est regarde, qu'il est? encore une belle tanche. Ah ouais, une tanche de 2,150 kg. Mais la fille! Bon, attends, je vais te monter le frein, moi, avec ce canne, tu peux vous foutre à fond, là. Tout à fond. Ouais, ben pas moi, sinon ça casse. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé? Un poisson caillé, Francis, je ne suis Ah sûr. ben, une tanche de 3 kg 900. Bien, Ah, bien. il y a de la bonne Wow, tanche ici. regarde-moi! Putain, mais elle paraissait énorme dans les mains. Et regarde sa tanche. Ah ouais. Ma fiche! Qu'est-ce qu'elle a, ma tanche? Putain, quand Quoi, même. ma Quoi, ma tanche? tanche? Quoi, ma tanche? Qu'est-ce qu'elle a, ma Qu'est-ce qu'elle tanche? a, ma tanche? Ah, d'accord. Elle est trop grosse, cette tanche. Non. Ah, t'as Ah, la petite merde. bourriche. Mais la fiche, t'es obligé de la mettre à l'eau. Ah oui, elle... Ouais, mais comment tu la remets à l'eau? le clic de la souris, normalement, tu dois y aller. Ah non, non, Bah non, oui, mais... c'est Ouais. comme si tu l'as balancé dans ton dans le Ah, truc. ça y est. Ouais. Bon, mais comment je fais là? Parce que je vais pas pouvoir pêcher là. Faut que je retourne. Ah ben là, à mon avis, il va te falloir une autre bourriche. Hein. Bon, là, j'ai un Ouais, poisson, Francis, il est énorme. je... Ouais, bah alors attends, s'il me faut une autre bourriche, déjà je vais mettre la tente là, comme ça je reviens au même endroit. Ouais, moi aussi, il est énorme, mon poisson, 300 grammes, ouais. Non, moi je sais pas, il me vole l'épuisette. Hein. Voilà, moi je me mets la tente là parce que sinon je vais encore me retrouver à. Ouais, alors, hein. C'est Bon, de qui toute le façon, c'est patron? juste à l'entrée, on est C'est qui le juste à l'entrée pour patron? l'instant. Voilà, Oh, la tente elle est, donc le je beau vais. poisson, Qu'est-ce que le prêtre? oui. Non, attends, j'ai pas de souvenir ici, toi. Attends, viens ici, viens, Ah, papa. tu vas tomber à la baille, tu vas tout perdre. C'est mon poisson, Francis. Et hop Attends, là, hop là. fiche. Donc voilà, ce sera tout simplement, comme je disais, excuse-moi, j'ai peu, pardon. Donc dans les commentaires, voilà, vous mettrez tout à l'heure, hein, ça va pas tarder, donc j'attraperai un poisson et fera deviner le poids donc dans le commentaire et le poids le plus proche. Donc je lui passerai une clé Steam, bien entendu, à mettre ben voilà, sur Steam pour activer, bien entendu, le DLC Starter Kit Pro, bien entendu. Donc c'est pour ça un grand merci, bien entendu, aux développeurs et à Remtech. Oui, donc c'est vrai qu'il y avait une personne. Mais le. Attends, faire pas. Putain, j'ai le stress. Mais la fiche! Donc oui, en dessous des mètres, donc là où le poisson s'en va, bon, vous ne le voyez pas parce que je suis dessus. Pas sur le poisson, bien sûr, mais. Il y a, bien entendu, en dessous, là, vous voyez, il y a le mètre où vous ramenez le fiche, et en dessous, c'est la profondeur, hein, bien entendu. Qu'est-ce que j'ai chopé? Mais là, dit tout blanc, le poiscaille. Ah, moi, il a 4 mètres de fond, ça y est, il remonte. Voilà, c'est le fond. Après, le fil qu'on a réellement, je ne sais pas en fait. Sur la bobine, je sais que moi, c'est des bobines de fil de 500 mètres, mais est-ce que réellement ça se barre à 500 mètres? Je ne saurais te le dire. Je pense qu'en fait, c'est au niveau de la capacité du moulinet, je pense. Du moulinoche, ouais. Yes, aïe, 26. Yes, Bon, ben aïe. moi, ça va, il me fait faire une petite balade, hein? 18 mètres. Allez, en avant, Guingamp. Exactly. Ben Bon, là, le. normalement, je devrais vous retrouver, là. Ah Ben ouais? voilà, ouais. Attends, moi j'étais sur la gauche. Ah, mais où tu étais parti, hein? Où est-ce Hey, que t'es tu étais? faire la promenade du matin, hein?
Je sais pas si c'est du carnassier là. Aucune idée de ce que compose Sky dans ce pays, Francis. Oh 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 oh, mais la fiche. Oh GG, alors là. Ah, une 4 kg 660. 630, ah, pardon. Ouais. C'est un beau poissonnet, messieurs. Oh putain, c'est sympa, hein. Regarde la rivière, où est-ce qu'elle est, ouais. C'est mignon comme tout, hein. Attends, vas-y, tiens, je vais jeter là. T'avais un petit pont là, c'est pas ça, non? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, j'y suis allé l'autre jour aussi là-bas, mais. Mais je regardais. Et tu peux pas pêcher du côté de la rivière, c'est con. Allez, chiffon. Du côté de la rivière. Ah non, je croyais que tu passais un petit pont. Ah ouais, t'as un petit pont, tu peux traverser, ouais. Mais là, j'essaie, j'ai une touche, je crois. C'est sympathique, cette map, là, pour l'instant, hein. Ouais. Une petite touchette. Je pense que mon bouchon va finir par faillir, Francis. Mais GG. 4 kilos, bravo. 4 kilos, c'est une tanche. Non, les silver car. Bien joué, bien joué. Ah, ah là, oui, là. Donc là, j'ai changé, les gens, j'ai mis un... Regardez, c'est encore plus beau sans la TH. Je sais pas ce que j'ai chopé, là, j'ai mis une sardine, j'allais dire. Mais la fiche. J'ai mis une espèce de vif. Ouais. Oh putain, c'est un cendre. Ah, bien. Allez, viens ici. Yaman. Yeah, une zépuzette. Donc un joli petit cendre. J'ai bien cru qu'il allait passer à côté de la bourriche. J'ai peur d'aller dans l'eau, Francis. Ça m'a l'air extrêmement profond ici, Francis. Ah oui, le bord, oui. Enfin, ça plonge. Allez, hop. On voit qu'il y a de l'activité ici. On rigole pas. On est chaud, on y va. On tient le bambou, Francis. Donc là, j'ai mis 60 cm de fond, en sachant qu'il y a 1 m 10. Donc c'est plutôt correct. Ça le fait. Ça le fait, Imhotep. Hein. Donc c'est du cendre, peut-être. Oh, j'arrive à le sortir, mon poisson, là. Bat-toi, JP. Il arrête pas de sauter, le poisson, là. Ah ben, c'est un poisson sauteur, aussi, hein, Francis. Il l'a pris à la sauterelle, c'est pour ça. Ouais. Oh, ouais, du coup, il a une tanche. Ah, putain, 5 kilos, oh là là. Il rigole pas. Ça, c'est pas de la tanche de pédé, en fait. T'es quoi? Oh, ben, t'es quoi? Oh, regardez ce que j'ai chopé. De quoi, quoi? Une lotte. Oui. 7 kg 12. Oh, développeur, moi je dis Imhotep. Hein. C'est la première fois que je chope une lotte, moi. Une lotte. Une lotte. Une diversification de salvement de poissons, les Francis, je vous dis pas comment, hein. Une diversité, c'est peut-être un peu mieux. Hein. Ouais, une diversité, ouais. Donc là, j'ai attrapé un cendre ici, Francis. J'ai attrapé une lotte ici, Francis. Et je veux attraper l'autre. Ah. Trujor. Traître. Ah, pas possible. Et puis là, les poissons, il faut faire... Attends. Oh. J'ai déjà une touche. Fais la fiche. Ça y est, un autre Pascal. Donc là, je suis monté pour normalement tirer du bœuf. Hein. Ah bon. Voilà. Francis, ça rigole pas. Hein. Et la canne du DLC, d'ailleurs... Elle n'y est pas en magasin. Teste une lotte encore. Ah. Oh putain, ça va me rapporter masse de thunes, mais la fiche. Hein. Donc un conseil pour bien débuter le jeu. Donc bien sûr, avec un DLC, c'est ça aide beaucoup. Mais surtout, quand vous avez un peu d'argent. Oh, c'est un bébé lotte. Allez, casse-toi dans la bourriche, fais le traîtresse. Regarde-le, ce druge. Ah, tu crois que je t'ai pas vu, ça, le collabo, là? Une loterie. Regardez, Steph, regarde. Et ouais, regarde, viens sous le pont, plus. Tu as plus les lots sous le pont. Là où t'es, enfin, je sais pas s'il y en a peut-être là, mais j'y ai fait un cendre là, moi. Faudra voir après tout à l'heure ce qui rapporte le mieux. Alors pour débuter le jeu, je vous conseille. Bah, GG, Francis. Oh, il y a de la carpe. Il y a de la carpe? Ouais, il vient de faire une carpe commune, je crois. Hein. Steph. Ah, un carassin. Un carassin. Traître. Druge. T'aurais pu dire oui, et puis t'en oublies. C'est une petite carpette qu'il a fait. Ouais. Et bah ouais. Et ouais, c'est surtout la bourriche est c'est très important, la bourriche. Ah bah oui. Ah, la bourriche, ouais. C'est la vie, Francis. Eh bah oui, parce que t'as vu, moi j'avais un poisson de 5 kilos, il avait rempli la bourriche. C'est ça. En début, t'as 8 kilos, je crois. Non, t'as attrapé un poisson de là-haut. Bah, mini-pouce, c'est quoi ces conneries, Francis? Et mini-pouce, il attrape ses poissons d'en haut du pont, lui. Il est où ton fiche? Mais il a pêché du haut du pont? Ouais.
Il est monté sur le pont, il a dû descendre parce qu'à mon avis, avec l'épuisette, ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire du tout, même. Ah non. Putain, j'ai failli me noyer, j'avais de l'eau jusqu'à la tête. Sors-nous la bête, Francis. Bon, ben, je sais pas ce que c'est, hein, mais en avant, Emile. T'as pris du lourd. En tout cas, Margin, t'as... comme j'ai pas une grosse canne... En tout cas, fonctionne bien ta cuillère. Moi, j'essaye avec un PN, là, mais... Pour l'instant... Non, j'ai changé, j'ai pris le vert rouge et noir, là. Ah, ouais. Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas une lotte? Une truite Fario. Wow, 3,15 kg. Ce truc. Tiens. Putain, salopard, elle est belle. Mouah. Avec sale traître, la violeur de poule. Bien joué, belle truite. Putain, drugeur, même pas je te parle. Me regarde pas. Avec et un vert, c'est forme rouge et noir, là. Ah! Un genre de twist. Voilà. Ah, donc Steph nous a refait encore une truite, ce traître à ses pieds. Donc du coup, je me suis un petit peu décalé. Et j'espère bien me faire une belle truite. Une belle Fario. Bah pour ta peine, t'auras pas de truite. Je... Traître. Quand le pando y court. C'est une perche, Steph, tu fais chier. Non mais c'est vrai, je crois que c'est une perche en plus. Bah oui, c'est... Oh là là. Toi, Steph, t'es dans la merde. Mini pouce dans une salle de merde. Fou. Oh, il me l'a enlevé de la bouche. Hey, j'ai une touche directe à la crevette, à Francis. Hein. Ah ah. Putain, la canne est pliée, mais la fiche. Ça voudrait dire que tu as la crevette raide. Ah, je l'ai raide, raide, raide. Bah là, elle est morte, elle s'est fait bouffer la crevette, à Francis. Putain, par contre, ça a l'air lourd. Hein. C'est sûr qu'il y a que la truite qui bouffe ce truc. Non, je pense pas qu'il y ait que ça, mais ça en fait partie. Attends, de toute façon, t'auras pas de truite ce soir. Hein. Toi, fais gaffe, ça va être ta fête, je te l'ai dit. Lui, c'est un traître, il veut pas que. Oh, c'est une truite énorme! Énorme! Bah, je sais pas, ça ressemble à une truite, non? Fais voir. Une truite! Viens ici, saloperie! Et voilà. Une truite que Mini Pouce aura pas. Voilà, une de moins pour lui. Ouais, et moi aussi, 2,02 kg ma truite. je t'ai battu, Francis. Bon, allez, je vais vous rejoindre là-bas, je vais voir si je peux faire quelque chose. Là, parce look que... at this, look at this. Look. Ah, ben, tu vois, tu l'as, ta truite. Look at this, look, vous prenez que des verrous, je vais arriver, tu vas voir. Ça chier. Je vais vous sortir une truite de 5 kg de barbac montée sur Burnout. Ça chier. Il y a un poste qui est suicidaire là dans le pays, Francis. Hein. Mais je dis ça, je dis rien. Couche. Bah ouais. Couché. Tiens, couché. Fichonne. Oh putain, c'est une truite encore. Oh, elle est belle celle-là. Oh, elle est juste au pied, vas-y, prends-la, chope-la, bordel. Regarde, elle te parle. Steph. 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 Ouais. Steph. Steph. Et... In the fucking bullish. Le mec, il est content, il est refait, il a fait des truites à Francis. Hein. Bah tiens, tu vois. Donc je sors un poisson, puis ça va être à vous de jouer, les gens. Hein. Regardez donc. Mais qui c'est ce con là qui vient nous emmerder? Casse-toi la sale traite que je m'y mette là. Non mais il y en a pas que pour vous là. Moi aussi je vais la sortir ma crevette. Non mais oh. Toi tu vas pas durer longtemps au bord. Sale traître. Bon allez les gars, la première crevette qui se barre, d'accord? Ouais. Allez. Celui qui a une touche, il doit balancer tout de suite. Hein. À moins que j'ai atteint mon quota, parce que je suis arrivé à 4 truites, moi. Ah non, il n'y a pas de... Moi, je suis, moi, non, c'est... Tu crois qu'il n'y a pas putain, de... Oh, putain, qui elle a volé, celle-là. Ouais, mais toi, tu joues pas, toi. Non, mais tu joues pas. C'était de... Et elle est au bord, là, vas-y, tu peux la choper, là. Eh ben, elle veut pas venir. Lève la canne, Francis, hein. Lève la canne, hein. Ben, j'arrête pas de lever la canne, mais elle veut pas venir. Avec les gueux droits, Francis, hein. Putain, mais il est impuissant, lève la canne. Je fais que ça, hein. Mais tu molles ou tu la raides, Francis? Ah bah, je sais pas, mais j'arrive pas à la lever, la truitasse. Eh ben, laisse-la dans l'eau, moi j'aimerais bien qu'elle vienne bouffer, par contre. Non, mais là, il n'y a pas de... D'épuisette, il n'y a rien, là.
Je me Et elle est belle en plus là, je la vois accrochée à ton hameçon C'est là. vraiment dommage, JP, c'est dommage. Ouais, regarde l'enfoiré là, c'est dommage, Tiens. JP. Ah ouais, t'as Elle au est moins dans l'eau 10 là, je la kilos vois, je la vois, elle est dans l'eau. Non, mais t'as au moins 10 kilos là. Ben, il Mais faut... ben oui, c'est impossible, enfin, si ça allait dans l'eau. pourquoi j'arrive pas à la sortir, bordel? Steph, il y a un poisson sur le bord là, viens, on Bah essaie ouais, de elle le est au pêcher. bord là. Allez, Mais mords-le. j'arrive pas à la En lever. plus, c'est une crevette de gratuit. Elle est gratuite, la crevette qui va avec. Elle est vendue avec. Bon, ben je crois que je vais passer la soirée avec ça au bout de la canette. Attends, reste comme ça, peut-être qu'il y a un brochu ou une lotte qui va venir te la poutrer, frère. Casse-toi avec ta truite, sale Bien sûr qu'il va preuve. venir. De quoi? Oui. Non, mais j'aime pas marcher, Francis. Va plus loin, le lac de Diamant, c'est par là-bas. De Il va y côté. avoir un lac un peu plus grand là, près Comment on là. fait pour augmenter la vitesse du Vétus? Donc ça, c'est Bah, le bateau t'as pour... qu'à pédaler Ah, attends, ça pue l'anguille ici, là. Ah ouais, là, ça pue l'anguille. Ça sent l'anguille à 3 km. Ou alors le cire. Ça mord, JPP? Ben oui, ça mord, mais bon, Donc est-ce que je vais la JPP s'est sortir? foutu à l'eau. Ah, ça y est, t'es là, là. Ah ben quand même. Qu'est-ce que t'as chopé, Francis? Ah, Un une poisson? truite. Ah, ça y est. Non, mais attends, je l'ai pas encore sorti, mais bon. T'as sorti disqualifié, toi. Ah, c'est bizarre, il sort pas son épuisette, lui. Ben oui, non, mais elle est sortie, mais c'est derrière où elle est la Elle est cuisette, elle est sortie, pas. bon, ça on veut pas Ben, je la savoir. vois pas, par contre, quand je joue comme ça, je vois ta canne, je vois Ouais, ton poisson, je vois il ta faut que tu fusée, je vois diriges pas l'épuisette. l'épuisette vers la bête. Il y a un schisme là, il y a un schisme. Hein. Ah, ça y est, j'y peux. Et Alors, là, combien? Combien la alors une bête? truite de 2 kg 750. Bien joué, Francis, disqualifié. Ouais, c'est ça, C'est ouais. Ouais, cela. c'est ça, ouais. Attendez, là, ici, vu que ça sent le carnassier à des kilomètres, je vais mettre. Oh, il m'en reste qu'un, j'ai envie de chialer ma race. JPP, je vais continuer à pied par là-bas, moi. Ouais, vas-y. Tu montes? Ou tu descends? Pourquoi faire? Je sais pas, tu montes. Manu, Oh, sale. Malu! Traître! Ouais, c'est un traître. Ah, bah, Hey, c'est une truite un peu encore de plus 2 grosse. kilos. De Moi, quoi j'en ai t'es une au sérieux? pied, T'as là, une grenouille? juste là, là. Ouais, Ouais, sérieux. là. C'est Tiens. un genre de crapaud, il a sauté. On peut pas pêcher la grenouille. Ah, il est là. Alors, Ah, on regarde, m'avait demandé JPP, au mon cheval. passage comment se Hein? servir du GPS. Donc, en fait, je vais reprendre à zéro. Voilà. Donc là, je l'ai déséquipé. Donc, en fait, c'est des dorés noirs qu'il y a sous l'arbre devant moi, les gars. Ah, d'accord. Donc, vous cliquez ici, tout simplement maintenant CTRL, comme d'hab. Hein, et vous allez cliquer dessus. Voilà. Donc ici, il vous dit chercher. Là, vous allez cliquer à l'endroit tac avec la souris. Alors des fois, ça met, hop, voilà une dorée noire ici, par exemple. Hop, on va le faire chercher là. Donc ici, voilà, il y a un coin, donc on aura compris la dorée noire. Donc ici, peut-être qu'il n'y aura rien, je ne sais pas. Je n'ai pas vu d'activité encore, donc ça cherche, mais... Ok, donc ce qui est bon signe, c'est que... Après la dorée noire que je vais attraper, parce que là, je vais en choper une, là. Je vais lui faire sa fête. Donc voilà, vous cliquez pour changer, tout ça... Enfin, vous avez compris un peu le principe, quoi. Oh, ça, j'espère c'est la dorée noire que je veux. Oh, oui, les gens, je pense que. Et là, ça va être à vous de jouer, ça y est. D'abord, il faut que je sorte mon poisson, les Francis, parce que là, je sens que c'est une dorée noire épique. Regardez les traîtres sur le ponton, bien entendu. Hein. Vous les aurez reconnus, donc JPP06. Ah, c'est cela, oui. Ouais. Ainsi que. Oh là là, regardez la bête. Allez. Donc, on a vu à peu près des 5 kilos sur l'éco-sondeur. Eh bien, regardez. C'est du 5 kilos. Voilà. Et en plus de ça, c'est à vous de jouer. Bonne chance à vous. Donc, voilà, les gens, voici l'endroit sur lequel je pêche. Ainsi que joueur dans la pièce 0. Je suis seul. Donc, voilà. Donc, là, ça va être, donc bien entendu, le poids du poisson dans les commentaires. Et le poids le plus proche gagnera tout simplement une clé de DLC, bien sûr, sur Steam. À tout de suite. Et le voilà, donc il est en bout de ligne. Donc on vous souhaite une très bonne chance. Alors on va essayer peut-être de le voir un peu. Ok, donc il est en face. Hop, on a vu une queue. J'augmente un peu le frein. Bah donc c'est à vous de jouer. Bon courage. Voilà. Vous êtes sérieux, il y a encore la rainette là? Hop là, Oui. ouais, elle y est là. Moi j'ai encore pêché un cheval de 1,7 kg.
parle d'un diesel, t'as pas vu mon bateau, Francis, c'est fou, je viens pas casser le cou, je viens regarder. Hé, hey, je la vois. Mais la fille. Elle est juste en face de moi. Elle est juste en face de moi, là. Putain, il a cassé le ponton avec son putain de bateau. Eh bien, crapaud. La crapouille. C'est la crapouille. Lui, le bouton pour mettre une latte. Voilà, donc en tout cas, une bonne chance à vous et encore un pouce bleu pour Remtech. Merci à Remtech. Okay. Donc, ce qu'on fait, on va continuer à pêcher de l'autre côté. Attendez, je ramasse mon bateau pour le mettre de l'autre côté, Francis. Je vais pas le laisser ici parce que je connais une paire de gangsters. Mais viens ici, du coup. Non ! Du gangster ? Tu es tombé dans l'eau ? Ouais. Oh, bah, en même temps, je suis juste à côté, en fait, le truc. Ah, il y a déjà un bateau sur le bord, dis donc. Parce que celui-là, il est cuit. Donc en fait, là, si j'ai bien compris, on a fait le tour. Ah bah là, on est au lac des grenouilles. Ah bah oui, voilà, bah oui. C'est pour ça qu'il y a des grenouilles. Mais la... Ah. Et bah, heureusement que t'es là. Attends, elle va monter dans mon bateau. Ouais. T'es allez. Pas con. Bon, qui c'est le con qui a poussé Non, tu viens ici. Non. Reviens là, Francis, reviens. Mon bateau. Bateau. Et là, à mon avis, on va pêcher avec des sauterelles. Hein, parce qu'il y a plein de... J'ai tapé deux chevelles que j'attrape à la cuillère. Ils aiment bien les sauterelles aussi, ces poissons. Ah. Eh ben, je suis tombé dans l'eau. Super. Tu t'en fous, c'est juste derrière, en fait. Je me suis retourné, t'as les tanks qui est à côté. Franchement, la map, pour moi, elle est super sympathique. Ouais. C'est vrai, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphoune, mini-pouce? Ah ouais, elle est pas énorme, mais elle est bien faite. Ouais. Ouais, des fois, ça sert à rien d'avoir des maps qui font 15 km. Bah oui, là, on a du Fishon. Ah, là, j'ai fait un fish Stéphosaur. Hein. Un Stéphosaur. Un Stéphosaurus. C'est comme une brise d'anus en plein hiver. Mais je vais tomber dans l'eau, ça se passe comment, là? J'ai l'impression de faire du free fight sur le ponton, mais la fiche. Qu'est-ce que j'ai été chopé, là? Non, attends, sors pas l'épuisette maintenant, trou du lucus. Attends, je vais voir mon poisson d'abord. Bah, attends, on va le voir. Il arrive, la bête est là, les gens. Regarde une perche. Comment? Tu te rigoles ou quoi, Francis? Ouais, qu'est-ce qu'il y a une perche? Il y a quelqu'un qui a une perche. Maladie! Une perche qui m'a bouffé un vif! Bah ouais, hein. Ouais, bah 1,46 kg sur les Francis, hein. Faut déconner que là. Donc celle-ci, je vais la garder pour l'instant dans mon bateau. C'est la perche de compétition, ça. Bah bien sûr, hein. Bien dur. Voilà, donc... Eh, regarde, tu la vois dans mon bateau ou pas? Ah non, là je suis dans le... Hop là, regarde, elle est là. Je sais pas, ouais. Comme je regarde dans l'autre sens, hein, je peux pas. Je... Là, tu la vois pas là-dedans? Je suis en pêche, là, où c'est, où ça? Là. Devant mon bateau. Pas dedans. Je vois rien du tout. Je vois rien du c'est tout. Normal. J'ai voulu monter dans le bateau, je suis tombé à la baille. Ah non, mais ça c'est un bateau privé. Je peux pas récupérer mon poisson. La bête, c'est quoi? Je suis déçu, j'ai envie de chialer ma race. Ah, tu sais quoi? Tu sais qui? Par contre, c'est toujours du pike que j'ai pas vu, moi. Celle-ci a de la perche, je vais voir du brochet, mais où? Hein, Francis, c'est. Regardez JP là, regardez comme il se barre, sale traître. Donc je vais refaire un lancer là ici. T'as vu Steph, c'est pas loin en même temps, hein. Ah, voyons voir. Plongeons. Attends Francis, parce que je crois que j'ai une touche. Ah. Ouais. Ou alors c'est mon bouchon qui les connaît, Francis, hein. Mais je crois que c'était pas une touche, hein. Mais ouais. Quoi, Fishon, t'as quoi toi? Ben, j'en sais rien, je vais te dire. Ah, mais tu pêches avec quoi? Avec le vif. Ah. Eh, c'est quoi? Un aspe. Un aspe, ah, c'est un poisson blanc, d'accord. Bien joué. 62. Bien joué, Francis. 1,62 kg. Bon, écoute, c'est pas grave, mon bateau, je vais le laisser là. Ce que je vais faire, je vais tout simplement sortir... À pince. Non, je vais sortir un autre bateau. Ah. Voilà. Pouf. Eh, je peux pas le mettre. Non, ça doit être parce qu'en fait j'ai déjà l'autre bateau dans l'eau. Alors si je fais ça, est-ce qu'il peut venir ici? Non, tu vois, il me dit à 1 mètre, c'est-à-dire j'ai le bateau là. Bah ouais, mais il traversera pas le ponton, Francis. Hein. Donc en même temps, on fait un petit tour sur la map. Putain, j'ai mangé un arbre dans la tronche, Francis. Je ressemble plus à rien là. Déjà, je ressemblais pas à grand chose. Alors là, je te dis pas, mais la fiche. La totale. La totale. Tu t'es pris l'écorce. Je te plais, Francis. Hein. Fais attention, qu'est-ce que c'est, comment tu me parles, mais l'affiche, hein. Je te pèle. Ouh, je te couille les pelles. T'as vu un peu l'activité qu'il y a là dans le trou, là? Dans la hanse?
Yes, il était où mon bouchon, ça y est, énervé, il est en colère. Regarde Minipousse où il se bat, regarde-le. Il est encore parti, celui-là. Mais je sais pas, mais il y a eu des tartes. Fichon! Ouais, derrière, oui, il y a l'autre, là, c'est un autre, là. La Côte Diamant. Ah, il ne nous dit pas tout, c'était la fifée, ces petits trucs en cachette. Hein, Minipousse, sale traître. Eh, j'ai un beau poisson, je crois, JP. Ah! Ou alors c'est mon moulinet qui a un frein qui est trop petit, peut-être. Parce que c'est vrai que j'ai une canne, une poutre, la canne à pêche. Alors, j'ai pas encore équipé, bien sûr, la canne qui fait partie. Oh, c'est quoi ça? C'est une note? Putain, non, c'est un gros cendre! Une dorée noire, donc, on va dire un cendre canadien, bien entendu. Pourquoi je peux pas avancer? Bien sûr qu'on va le garder. T'as bien vu que je suis à la rue, déjà, il me reste 2 centimes. Donc, il y a des cendres là où je suis, JP. Ouais, mais j'y suis. Moi, c'est cela, oui. Ouais, j'ai mis du vif, hein, mais bon, apparemment. Mais bien sûr. Ah, tu devrais même essayer au leurre. T'avais un leurre qui fonctionnait bien, rappelle-toi, le bleu là. Oui, non, mais je les ai pas. Ah merde. Eh oui. Eh oui. Eh ouais. Et... Mais la fuite. Oh, merde! Manqué. Quoi? Attends, À attends. l'opêche? Ouais, attends, il est. Oh, fichonne, saloperie! Putain, j'ai cru que je l'avais manqué, non, je l'ai. Attends, non, sors pas l'épuisette comme un manchot. Oui, voilà, tu vois, il te faut remouliner maintenant. Regarde, 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 mais la fiche. Alors. Donc, je rappelle, c'est un free to play. Hein. Je vais. Il veut pas venir le mien. Ah bon? Il faut que je fasse comme toi, tu sais, que je lève bien la canne. Hop, allez. Ah. Ça y est, il est dans la boîte, il est où? Mais la fiche, il est où mon poisson? Mais là, des presque 6 kilos. Là, ça va me rapporter de la thune. Ah, les cendres, ça, c'est débile. Hein. Enfin, quand je dis c'est débile, c'est parce que ça. Lui est parti où, mini schtroumpf, là? L'autre, il fait la taille d'une Je suis feuille. derrière, là-bas. Mais attends que je te trouve, toi. Je suis sûr que t'es caché derrière une feuille morte. En dessous. Putain, c'est chouette aussi là. Bah attends, c'est là où Arrête, on ah était au oui. début, Bruce Danus. Ah, mais de l'autre côté, je suis moi. Regardez-le celui-là, la sale traître. Peut-être que le pike est là. Hein. Toujours avec un vif, moi. Hein. Donc là, déjà, on a fait pas mal de poissons sur ce lac. Et franchement, comme je dis, moi, je le trouve très joli. Il est sympa. On dirait presque, comment dire, un lac artificiel où on peut aller. Ça me fait penser à, je veux dire, du côté de chez moi, comme de chez tout le monde d'ailleurs, je pense, hein, la plupart, il y a toujours des lacs étant ce que vous voulez artificiels, où vous pouvez venir avec votre famille, camper, pique-niquer, tout ça, là, et pêcher en même temps. Et ce truc-là, franchement, il est tellement joli que, c'est vrai, il est beau, je le trouve beau. Qu'est-ce que t'as chopé, t'es tout tordu? Ouais, un caillou, fancy, c'est. Ah, pêche au caillou. Je pêche au caillou, mais la fiche. Ah bon, dans la rivière Et avec ce soir, caillou. c'est une soupe au caillou, Francis. La soupe au caillou. Putain, mais je sais pas, mais par contre, il a énervé le pochiche. Ouais. Hein? Mais là, c'est pas possible. Steph, allô, allez hop. Non, je déconne, putain, il y a une grenouille, elle va t'attraper, elle va te bifler avec sa langue. Attends, c'est quoi ce truc? Ah, il a fait 2 sauts là. Oh, on dirait un. Une carpe, une cruci... Attends, je sais pas, attends un peu. Fishman! Épuisette, non, bourriche, s'il vous plaît, mais la fiche. Allez, un aspect, une. Donc là, je crois que j'ai la bourriche à 50 kilos, hein. Ou à 35, je sais même plus, je sais plus. Donc là, voilà, on va encore faire un peu de tour. Putain, vraiment, il est sympa, hein. Il est sympathique. Hein. Sympatoche. Il est sympatoche, épinoche. Hein. Ah ben c'est en France, hein, c'est chez nous, hein. Non mais sans blague. Ouais, il me semble que c'est chez nous, on est d'accord. Ouais. C'est le lac France. Et là, donc il y a un sondage. Donc suivez-les sur Facebook ou sur notre page Facebook, on partage. Il y a un sondage pour savoir. Ils hésitent entre 2 pays. Et bien sûr, ce sera le. Là, il y aura le plus de votes qui sortiront justement le nouveau lac dont je parlais rapidement tout à l'heure. Et je ne sais plus du tout les. Je ne sais plus. Donc suivez-les également sur Facebook ainsi que sur Steam.
Voilà. Donc pour ceux qui ont abonné et autres, ceux qui aiment le jeu, voilà, je vous conseille aussi pour soutenir entre guillemets, d'aller mettre un commentaire tout simplement sur Steam, un avis positif si vous aimez le jeu par exemple, et voilà, c'est sympa aussi pour les développeurs, quoi. Ça fait toujours plaisir. Yes. GG mon petit Steph. Hein. Le poisson est lui aussi petit que toi, Francis. Hein. Mais Steph, c'est quoi? Malade! Steph, je te parle plus. Je te parle plus. Et il pêche à quoi? Vous pêchez à quoi? Moi, je suis au vif encore. Encore au vif? Ouais. Ah, il est passé à côté de la bourrée. Sale druge. Pas possible. Moteur. Moi, je veux poisson! 3,40 m. M'en fous, j'ai fichonne. Il a chiffon? Bah, j'ai chiffon. Ouais, il a chiffon, ouais. Oh, cette perche! Mais la... La vache, elle est belle, je la vois d'ici, ouais. Ah ouais. Ça, c'est pas de la perche, c'est de la perche de cow-boy, on appelle ça. 4,09 kg. Ça, c'est pas de la perche de touriste, hein. Putain. Et là, à côté de la bourrée, je suis comme Steph. Ah, je suis refait. Elle m'a fait chier, hein. Je vous garantis qu'elle m'a fait chier de demander au gars. J'ai dû aller chercher 3 fois de clavier et de souris. Mm-hmm. Eh ben, ça valait le coup. J'ai attrapé une perche de 4... Non, mais 4 kilos, c'est énorme. Ouais, pour une perche, oui. Hein. T'es sûr que c'est une perche? Je sais pas. Là, ouais, du coup, là, je commence à réfléchir. Là. Ouais. C'était bien marqué perche, au moins. Hein, il y avait un P, fait... un E, un R, un C, et, un et, H et un E. Alors, je sais pas. Ouais, mais, parce que là, quand même, 4 kilos, c'est rare. Hein, Une verge. Non, mini pouce. T'as pris une perche de compétition, là, à mon avis. Ouais, là, je crois que j'ai pris une perche de compète. Ah ouais, je crois que j'ai une touche. Je crois que j'ai une touche. Mais la fiche. Ah bah non, j'ai plus de touche. Bon. Ça y est, t'en as? Ouais, là, j'ai quelque chose. Au vif, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est peut-être une perche. Hein. Le soleil qui tape, putain, la canne à pêche, Francis, ça va se casser en trois. Hein. Ah ouais? Ah ouais, mais la fiche. Je vois pas encore ton fiche. Ben moi non plus, c'est inquiétant. Ouais, ça, c'est inquiétant. Oh, je vois ton bouchon et il vient de couler sous mon bateau, ton bouchon. Ah bon? Ouais. Là, je dois avoir du lourd alors. Ouais, c'est possible. Bah, si tu tapes une perche. Comme toi, ouais. Ah, il est là, son bouchon, regardez au bout de mon sillon, hop, il recoule, mais je vois pas ton fiche, hein. Ah ouais, attends, c'est ça qui ton fil, putain, il est où? Attends un peu. J'essaie, je guette, Francis. Je guette. Tu guette. Je guette. En surface, oh putain, c'est une perche. Oh putain, c'est un monstre, hein. Ouais, là, je crois que t'as encore attrapé une belle pêche, Kai. Hein. Regarde Steph, l'imposteur, tout de suite. Ah, de ça suite. Traître. Oh bah non, 2,35 kg, ouais, c'est pour une merde, quoi. Perche, oh, pour une perche, c'est un boussin. Tout ça pour cette merde. T'es con. Ils ont gonflé la perche. Non. De me fou, ça. Et il a soufflé dedans. Ouais, j'ai soufflé dans sa bouche. Ouf. Ouais, non, dans son cul. Ouais, parce que, par ouais, contre, elle a lâché tout à l'heure, elle a perdu 2 kilos là-bas. Ouais, ça va être ça, moi. La mienne, quand je l'ai chopée, elle s'est chiée dessus et c'est pour ça qu'elle fait plus que 2 kilos. Elle a perdu du silicone sur la route. Ouais, tout à fait, Thierry. Allez, touche. Ouais, ça y est, mini pouce. Moi, j'ai plus de poisson à cause de vos conneries, là. Bah ouais, t'as vu, Mini Pouce, il est arrivé comme un... Mais oui, c'est lui, l'escroc, là. Ouais. Sale traître. Miaulard de poule. J'y peux aussi, mais c'est pas possible. Ouh, laisse-moi descendre de ma carriole. Donc oui, c'est ce bateau, comme je vous disais donc tout à l'heure, que vous avez dans le DLC, avec moteur équipé et tout, intégré. La totale. Et qui va très bien. Rendez-moi ma bourriche, bonne de voleur. Non, parce que je fais pas confiance aux deux zèbres, là. Mmh. Regardez-les. Elle a T'as les deux. Bien raison. Bah je sais, j'ai raison. De trujon. Moi je vais pêcher là-bas, Francis, du coup. Moi bon, je suppose que c'est encore une perche. Je suppose que je sais pas. Parce que de là de tuer Francis, la saucisse, je ne peux pas te dire. Hein. Donc voilà les gens, je vais essayer d'attraper encore un poisson ou deux, puis ce sera pas mal. On aura fait déjà le compte est bon, quoi. Le compte sera pas mal. Non, mais moi ça veut pas revenir. Hein. Ah, ben ça ne va pas, toi, c'est foutu. Toi. Ben moi aussi, hein, je sais pas ce que ça fait là, mais. Ah, ça saute. Putain, oui, c'est quoi ça? Eh, hey, c'est un asp.
Bah ouais, c'est un asp. J'ai un asp? Ouais, c'est un asp. T'as de l'asthme. Et l'asp, je l'ai pas sorti. Hein. Non, il y a Où est tes pieds passé? en train de faire le con. Là. Il est passé derrière tes couilles, là, il remonte au niveau de tes burnes. Je viens de le chopailler. La Ouais, chopée. 2,39 kg. Bien, Francis, bien. Moi, je veux un dernier poisson, Francis, d'accord? Pour la route? Pour la route. Et moi, il reste coincé. Ah, ça y est, il se rapproche. Ah ben moi. Alors, où c'est Qu'est-ce que que j'en t'as pêché autour? étais? Putain, cette perche! Oh Ouais. Qui c'est qui a pêché cette je perche? sens, c'est Steph, le voleur. Ah, voilà, le violeur de poule là. Oh, 2,790 kg. Ouais, mais pour une perche, t'imagines la bête. Ouais. Hier, là, tu attrapes un poisson comme ça, mon pote, tu te fais démonter. Hein. En plus, c'est né et c'est énervé, ces poissons, ils sont énervés. C'est insociables. Non, c'est des poissons très sociaux. Ah oui, Steph, c'est une putain de perche. Hein. Ah ouais, encore. Regarde Ah ouais, là. oh putain, ouais, elle est grosse, Wow. hein. Maladie, la cantine, faut y arrêter, toi, Bon, alors, attends, terminé. celle-là, elle est plus grosse que la tienne, normalement, mais Ah, elle fait plus... 4,12 kg. Oh, salopard. Allez, retourne-toi. Et toi, quand je faisais combien? 4 kilos, combien, Putain, toi? GG. Un bout, Oh, hein. elle faisait pas 4,12 kg, je crois, elle faisait moins, non? Je sais plus. Ah, je sais plus, je sais plus. J'ai Oh, dit qu'elle faisait 4 kilos, en tous les cas. le mastodonte. Mastodonte. GG. Eh ben, dis donc. Respect de l'animal avant tout. Ouais. Ça rigole pas. Hein. Moi, avec Bruta, je me méfie des derniers poissons. Parce qu'en général, quand les derniers poissons qu'ils prennent, c'est toujours des monstres. Ah non, non, là j'ai foutu un verre donc ça risque pas. Allez, alors, et au vert, tu peux avoir des gros poissons aussi. Ouais, ben c'est un gros pour la peine. Hein. Tu vois? 5,6 kg. La Putain, perche. sors-le de l'eau. Non, non, mais il n'y a rien eu d'affiché, il sait pas encore. Toi, espèce de rageux. Toi, t'es un rageux, toi. Il triche. Traiteur, voleur de Quel poule. rageux ce mec, c'est pas possible. T'as vu JP sans déconner? Ah ouais, de suite il rage. Hein. Quelle honte. Ah, si tu fais une perche de 4 kg de sang, là ça y est, là. Il va s'énerver là. Ben là, Minipousse, il va nous faire son pleurage. Un caca nerveux, moi je le sens. Ah oui, là, il va chier partout encore, il faudra le changer. Ouais. Qu'est-ce que c'est qui arrive? Un poisson, oui, mais Alors, quoi? on dirait que j'ai eu mon quota, moi aussi. C'est pas là, plus rien du tout. Moi, je prends plus rien Bah du écoute, tout, je même comprends pas. pas, j'ai le frein à fond, mais le poisson, il s'en fout. Ah, tu sais, peut-être c'est autre chose, hein. Mais bon, apparemment, comme on a pris que des perches là, Non, non, l'aspe. Oui, je l'aspe, ouais, mais ça va jusqu'à combien une aspe là? Aucune idée. Je sais qu'on en a fait de 5 kilos tout à l'heure. Ah, alors peut-être. J'arrive pas à voir la bestiasse. Alors, tu vois, il n'y a pas que moi hein, qui se fait chier à les sortir. Hein. Bon, je pourrais me déplacer aller le chercher, mais je vais l'amener jusqu'ici, là. C'est une carpe? Non, Non. c'est une tanche. Une tranche. On finit sur une tanche. Ah, combien de la tranche? Combien coûte la tranche? 6,11 kg. Ah, ben ça va, 2 kg 11, c'est bon. J'ai dit 6,11 kg. Non, mais moi j'ai dit 2 kg 11, parce que je vois que c'est marqué 2 kg 11. Oui, non, mais ça, c'est une erreur d'écriture. Ouais, c'est une faute de frappe, on va dire. C'est une faute Ouais, de frappe. d'accord. C'est On une faute de dirait frappe, que c'est une ok. pêche à la mouche. Ah, je sais pas qui c'est qui est frappé, hein. Je sais pas, ça va être le poisson que j'ai frappé sur le bord. Je l'ai cogné un peu trop fort, hein, mais la fichait. Donc voilà les gens, bah en tout cas je remercie bien entendu Minipousse alias Steph. Merci à toi Steph. Tricheur. Ok, merci à toi de d'être passé aussi. Merci à toi d'être venu dans le coin. Ainsi que Voilà. merci à JPP06 sur la saucisse. Ah ben, merci à toi, hein, Brutal. Passez un bon moment de pêche avec l'ami Steph. Et Exactement. gros bisous à tous nos amis pêcheurs, pêcheuses, les amis du TS. Et puis le petit pouce bleu qui à chaque fois nous fait très très plaisir. Et à la prochaine. Exactly. Et donc voilà, moi mon avis sur cette map, c'est qu'elle est open. Elle est pas trop grande, elle est pas trop petite, elle est sympa. Puis il y a des, vous avez vu les poissons qu'il y a. On a fait un tour rapidement, vous voyez. Elle est open bar Elle là. est open bar et les développeurs sont comme ça. Donc encore un grand merci à Remtech. Donc une bonne chance à vous. Bah, du coup il y a un poisson. Alors attendez une petite seconde. Donc une bonne chance à vous et comme je dis, n'hésitez pas si vous aimez le jeu à aller mettre un petit commentaire donc sur Steam, ça fait toujours bien entendu plaisir. Et donc sur la prochaine vidéo, ben, il y aura le nom de la gagnante ou du gagnant bien entendu. Donc le poids en commentaire. Je vais aller le chercher celui-là, peut-être pour aller plus vite, non, je vais me noyer. Allez, j'ai reculé un peu.
Hop, sors l'épuisette, je sens que tu peux le faire, tu peux le faire. Tu l'as ou tu l'as pas? Attends, je crois que je vais me noyer en même temps là. Je l'ai ou je l'ai pas? Tu vas te noyer? Oui, je vais me noyer, Francis. Tu vas te noyer? Je vais me noyer. À mon avis, vu que j'ai mis un verre, ça va être peut-être encore une... Quoi? Bon, ok, je suis tombé dans l'eau. Voilà. Je vous fais dévenir là, à force de faire le couillon au bord de l'eau, là, il va tomber, il tombe pas. Il est tombé. Ça s'en va et ça revient, plouf. Exactement. Il est tombé. Vous êtes deux traîtres. Mais non, on n'est pas des traîtres. Mais non. Mais c'est toi le traître, c'est ça le problème. Eh ben moi, je repars en charrette, bonne de Drujo. Voilà, mais écoutez, on vous fait de gros bisous, puis n'hésitez pas donc à rejoindre donc la page Facebook dans la description. On allonge la description. Il y aura bien entendu le lien du DLC dans la description, si vous intéresse. Voilà. Et en même temps, pour voir le contenu de ce qu'il y a à gagner, voilà, vous serez mieux informé comme ça. Et toujours un grand merci à vous. Et pour venir donc jouer avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre également sur le TeamSpeak. Allez, gros bisous et à bientôt. Et ciao, ciao. Et merci, les gars. Allez, ciao. Bye, bye. Tchuss.